Bonsoir à vous tous. Donc, la commission de recours de l'invalidité, le président, dossier suivi par AAE le Bola, c'est le Bloa Anne Sandrine. Notre objectif, notre recours enregistré à la commission de recours de l'invalidité le 24 novembre 2021, sur le numéro 1153, pièce jointe. Décision numéro 1153 de CRE du 16 mars 2022. Vous trouverez ci-joint pour notification la décision de la commission de recours de l'invalidité sur le recours administratif obligatoire, préalable que vous avez formé le 24 novembre 2021. Et cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif du ressort de votre lieu de résidence dans un délai de 2 mois, à compter de la date de réception de la présente notification si vous résidez à l'étranger. Le tribunal administratif compétent est celui du ressort du lieu où vous déclarerez domicile, chez un proche ou d'un avocat. Pour les besoins de la procédure, le tribunal peut être saisi par plaie recommandée avec un accusé de réception ou par l'application informatique Télé-recours citoyen accessible par le site internet www.télérecours.fr. Les pensions militaires d'invalidité n'ont vocation qu'à indemniser les seuls déficits fonctionnel imputable en fait de service, si vous estimez avoir subi des préjudices qui ne peuvent être réparés par une pension militaire d'invalidité, douleur, troubles dans les conditions d'existence, préjudice professionnel, préjudice moral, etc. Je vous invite à consulter le site internet au intranet suivant, où vous trouverez les informations si utiles sur les différents régimes d'indemnisation pour les militaires en activité, pour les services militaires, pour les anciens militaires, c'est pour les victimes civiles d'actes de guerre ou de terrorisme. Donc, Madame Allawa, veuve Rimichi, village Bihalil Affaire, 35 022, Delis Boumerdès, Algérie. Ce délai peut être, c'était augmenté de 2 mois dans les cas prévus du Code de justice administrative. يعني نحس مليح دو نوتر دروا، يعني دوك نحس مليح مشوار دنبي ان 2018 à ce jour. Donc maintenant notre dossier il a été rejeté par les services des armées françaises ou par le gouvernement français et aussi par l'administratif algérien. Notre droit pendant la guerre d'Algérie, elle a été close par les deux services, administratifs et français. Malheureusement, donc, un héros au tribunal administratif de Paris. Notre droit pendant la guerre d'Algérie, c'est comme détenu, comme prisonnier, 1959 ou 1962. Mais si malheureusement, تحس فقط تستاس كثير غري وتروح على السيرفيس ادمنستراتيف الجيريان هات بالك غادي كنتي غري ميرسي افو